Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler des acides aminés pour nos plantes. Moi je prends les acides aminés de chez BioBiz. Donc BioBiz, pour ma part en tout cas, c'est la marque que j'affectionne particulièrement pour tout ce qui est terreau, engrais. Donc c'est une gamme qui est très très complète en termes de tout ce qui est engrais. Vraiment, on en a pour tous les cas de figure. Et on a donc aussi ce qu'on appelle des acides aminés. Donc les acides aminés, en fin de compte, ça va être bien pour nos plantes. Nous aussi, en tant qu'être humain, on a besoin d'acides aminés, hein, qui sont majoritairement, enfin qui sont présents dans ce qu'on mange. Donc au niveau des plantes, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire qu'on peut leur fournir des acides aminés, mais c'est pareil, il va falloir qu'on leur fournisse nous-mêmes. D'accord? Je regarde un petit peu ce qu'il y a écrit. Donc voilà, donc l'engrais de chez BioBiz, en fin de compte, il peut être utilisé à chaque arrosage. Là, vous voyez, vous avez toujours une notice dans les engrais, ici en bas à droite, à ouvrir. Hop, et quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez la composition, vous avez à quoi ça, comment s'en servir, etc., etc. Donc là, en fait, y a bien écrit que donc cet acide aminé-là, en fait, il peut être utilisé à chaque arrosage et avec des nutriments. Donc c'est-à-dire que vous pouvez même rajouter de l'engrais avec. Voilà, donc il faut bien sûr l'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser les doses prescrites. Donc concernant les doses prescrites, en fait, on a 2 à 5 millilitres par litre. Vous voyez, 2 à 5 millilitres par litre. En fait, moi, c'est ce que je fais, 2 à 5 millilitres par litre. Donc, je prends une petite pipette. Je prends une pipette et en fait, je fais ma petite dose. Et puis ensuite, je prépare en fait mon mélange. Et j'arrose mes plantes toujours, toujours, toujours avec ça. Donc, comme il disait, en fait, on peut l'utiliser à chaque arrosage. Si je l'utilise à chaque arrosage, comme je l'utilise à chaque arrosage, moi personnellement, hein, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement ça marche vraiment super bien. Ça marche vraiment super bien. Moi par exemple, qui ai les mêmes plantes à peu près que ma mère, à peu près exactement les mêmes plantes, hein, et ben en fait, si vous voulez. Elle va me dire, oh, pourquoi elle est beaucoup plus développée que la mienne, pourquoi tu as beaucoup plus de feuilles, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et tout le temps, je lui dis, moi, écoute, je pense pas que je fasse quelque chose de différent de toi en termes d'attention de la plante ou quand on s'occupe de nos plantes, on est à peu près pareil. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, je vais leur mettre une fois sur deux des acides aminés. Pourquoi je dis une fois sur deux? Parce que là, par exemple, le dernier arrosage que j'ai fait pour mes plantes, j'ai mis de l'engrais. J'ai mis de l'engrais, donc toujours du BioBiz, hein. J'avais mis du fish. Donc le fish est très concentré. Bon, ça après, c'est pas un souci. Et donc voilà, donc là, il va falloir que je réarrose mes plantes. Donc quand je vais réarroser mes plantes, je vais utiliser mon acide aminé de chez BioBiz. Donc à chaque fois, en fait, que je ne mettrai pas d'engrais, pour ma part en tout cas, c'est mon mode opératoire. Je vais pouvoir mettre mon BioBiz, sachant que le Biohaven, Biohaven, donc c'est les acides aminés, sachant que le Biohaven, on peut aussi le mettre en engrais comment on dit ça déjà, folique, foliaire, pardon, en engrais foliaire. Sur les feuilles, on peut donc pareil, dans 1 litre, hein, on met 1,5 millilitres de Biohaven, donc d'acides aminés. Et ensuite, dans un cheap sheet, vous pouvez asperger toutes vos feuilles et ça va faire du bien à vos feuilles, ça va les nourrir. Donc, vous voyez, il n'y a pas de. En fait, le Biohaven, ce n'est pas vraiment comme un engrais parce que si vous voulez, par exemple, un engrais, on peut en mettre trop et ça va brûler les feuilles, enfin les racines, pardon. Ça va brûler le système racinaire. Le Biohaven, ce sont des acides aminés. Même si vous êtes en surplus d'acides aminés, votre plante, elle vous dira jamais rien. Vous n'allez jamais cramer les racines avec ce Biohaven, donc avec les acides aminés. Vous n'allez pas cramer les racines de vos plantes. Donc, entre guillemets, vous pouvez y aller. Bon, vaut mieux quand même respecter les doses. Mais donc, il n'y a aucun souci. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et surtout,
de voir comment mes plantes évoluent grâce à cet acide aminé, moi je trouve ça juste phénoménal. Donc par contre, bah, j'ai mis un certain temps avant de racheter la bouteille parce que moi en fait je préfère prendre une grande bouteille comme ça. Alors c'est une bouteille de combien ça? J'ai oublié. J'ai oublié. Je crois que ça doit être du 2 litres. Hein. Ça doit être 2 litres ça. Je pense. Écoutez, je vois pas, je suis désolée. Ouais, bon, c'est pas grave, mais bon. Oui, ça doit être 2 litres, parce que 1 litre, c'est ça ici jusque-là, donc je pense que là, il y en a peut-être 2. Enfin bref, du coup, en fait, par exemple, le plus grand, ça c'est le plus grand qu'ils aient. Je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Bon, après l'été, il va être là, hein, d'accord? Donc je vais utiliser tout ça pendant l'été. Donc pendant l'été, on va dire pendant 3 mois. Sachant que la bouteille chez moi, dans mon grow shop à côté de chez moi, pardon, elle fait 56 euros. Donc, enfin, c'est pas que j'ai eu du mal à l'acheter, mais quand même, ça vaut un certain prix. Donc, j'ai mis du temps avant de racheter ma bouteille. Donc, ça veut dire que là, ça fait peut-être 6 mois qu'elles n'ont plus d'acide aminé mes plantes. Donc, c'est pas bon non plus. Et je tenais vraiment à la racheter, même si je sais que 56 euros, c'est quand même énorme. Mais voilà, je vais faire attention, on va aller un petit peu à l'économie, et puis voilà. Mais c'est vrai que depuis l'inflation, les engrais ont quand même augmenté, hein, le prix des engrais ont augmenté. Donc voilà, donc pour vous donner un petit, entre guillemets, secret, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un secret, mais voilà, en tout cas pour ma part, pour que mes plantes se sentent belles, bien, bien nourries, qu'elles soient bien épanouies, qu'elles poussent bien, je les aide avec les acides aminés. Voilà, donc vous commencez à connaître tous mes secrets. Et puis bah voilà, donc petite vidéo sur les acides aminés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que je vous précise que bah, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas sponsorisée par Biobiz. Et je l'ai acheté moi-même la bouteille. Voilà. Et bah, bonne journée à vous. Bisous, bisous.